Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Dans la Creuse, il n'y a que des blancs. Mes parents sont blancs. Mais comment se fait-il que je suis bronzée et vous, vous êtes blond? Et je vais voir ma mère. Je lui dis, tu es ma mère ou tu n'es pas ma mère? Et elle me dit, non, je ne suis pas ta maman. J'ai vécu dans le mensonge. Pendant des années. Mais aussi pour mieux comprendre ses parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Je suis très très fière de son combat, parce qu'elle porte tellement de personnes, et d'être là aujourd'hui, de parler pour elle, super. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai bientôt Valérie. Née à La Réunion, mais adoptée en France, elle est l'une des victimes du scandale des enfants de la Creuse. Pendant des années, on lui a caché une identité qui pourtant la hantait, jusqu'au jour où la vérité a éclaté. D'abord effondrée, Valérie s'est ensuite lancée dans la douloureuse recherche de ses origines. Une quête qui mettra en lumière une des pages sombres de notre histoire. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric. Je suis content de vous rencontrer. Moi aussi. Je suis heureuse si vous savez. C'est vrai? Ah oui. Eh bien, vous ne savez pas à quel point je suis content aussi. Merci d'être là. Je vous laisse vous mettre à l'aise. Oui. Qu'est-ce que je vous sers? Thé, café, jus de fruits, dites-moi. Je veux bien un thé, s'il vous plaît. Un thé. Alors, je vous ai appelé Valérie. Oui. Mais la particularité, c'est que vous avez deux prénoms, deux noms de famille. Oui. Oui, tout à fait. Et deux lieux de naissance. Voilà, c'est pas banal, deux lieux de naissance. J'ai deux lieux de naissance. Donc, je suis née Marie-Germaine Périgonne et aujourd'hui, voilà, je m'appelle Valérie. Alors, votre histoire est incroyable parce que c'est une histoire qui est une quête de la vérité. Vous avez vécu dans le mensonge et dans le secret pendant longtemps. Et votre histoire, finalement, c'est l'histoire de 2140 enfants de l'île de La Réunion qui ont été arrachés à leurs origines et parfois même à leur famille. Tout à fait, c'est une page sombre de l'histoire française qui est récente et méconnue. 2140 enfants réunionnais qui ont été retirés de leur famille. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fin de compte, la plupart des enfants étaient considérés pupilles de l'État alors que leurs parents étaient encore en vie. Et c'était le trop-plein vers le trop-vide. C'est-à-dire une démographie galopante à La Réunion. Et donc, on prélève le maximum d'enfants pour les envoyer dans les départements ruraux de la métropole, dont la Creuse. Et cette histoire est connue sous le nom des enfants de la Creuse parce que ça a été le premier contingent qui a été envoyé en Creuse et où il y a eu le plus d'enfants. Mais ce qui est fou, c'est que, évidemment, ce que vous racontez là, c'est des décisions de gens dans des bureaux. Là, il y a un être humain qui a eu une existence sur cette terre, une existence très étrange. Très très étrange, et c'est ça que vous avez envie de raconter aujourd'hui, parce que vous vous êtes battu toute votre vie pour avoir la vérité, il y a eu beaucoup de rebondissements, et c'est à l'âge de 16 ans que le ciel est tombé sur votre tête que vous avez découvert que vos parents n'étaient pas vos parents. Que j'ai appris tout à l'heure. Et on va savoir qu'ils vous ont menti pour vous protéger, en pensant vous protéger, bien sûr. Exactement, exactement. Pourquoi c'est important pour vous de raconter votre histoire aujourd'hui? C'est important parce qu'en fin de compte, j'ai été adoptée. Et je dirais aux parents qui adoptent, ne mentez pas à vos enfants. C'est sur trop, les origines. Voilà, surtout sur les origines. Et surtout, tenir bon. Ceux qui cherchent leurs origines, vous leur dites tenez bon? Tenez bon, surtout. Il faut aller jusqu'au bout. Bon, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, c'est la première fois. Et juste avant notre entretien, je vous ai demandé de m'envoyer des photos de votre histoire, des photos de votre vie. Mmh. Je me suis permis de les exposer dans l'atelier. Donc, je vous laisse parcourir la maison et on se retrouve dans le salon. Ça vous va? D'accord. C'est par ici. Once I was 7 years old, my mama told me go
was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, staying out and drinking, burning liquor. Never richer, we were out to make the steady figure. Once I was 11 years old. Quelle émotion de voir ma vie là se dérouler en peu de temps. C'est très émouvant. On va voir effectivement comment votre vie qui a été placée sous le sceau du secret a été une quête, vraiment une quête pour la vérité, toute votre existence. Et on va comprendre pourquoi vous avez le sourire aujourd'hui malgré les épreuves. Quand on regarde la photo de cette petite fille, c'est vous, vous avez 7 ans à l'époque. Si, par magie, l'adulte que vous êtes aujourd'hui oui. avait pu souffler quelque chose à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit ? Je lui dirais, tiens bon, il faut garder espoir, car un jour, tu auras des réponses à certaines de tes questions. Sur sa carte d'identité, Valérie est née le 24 mars 1963 à La Brionne, dans la Creuse. Mais en réalité, elle n'a aucun souvenir de sa petite enfance. Dès lors, impossible pour elle de connaître son véritable lieu de naissance, situé à des milliers de kilomètres de là. De 3 à 7 ans, en fin de compte, je n'ai que des flashs. Que des flashs. Des flashs quand je suis dans l'avion. Des flashs quand je suis entourée d'infirmières. Et des flashs quand je me retrouve dans cette famille d'accueil où j'ai quand même vécu dans un milieu violent. Un climat de violence. Et cette période-là, je l'occulte complètement pour me protéger quelque part. Alors à l'âge de 7 ans, vous quittez cet enfer. Quel souvenir vous avez de ce changement ? Je me souviens d'une assistante sociale qui est venue me chercher dans cette famille d'accueil. Et par contre, ce voyage a été tellement long, je me suis dit... Qu'est-ce qui va se passer ? Où je vais ? Qu'est-ce qui m'arrive là à ce moment-là ? C'est magnifique parce qu'on ne vous a donné aucune explication. Vous sortez de la violence, vous sortez de l'enfer et vous ne savez pas ce qui va se passer, on ne vous donne pas d'explication. Je n'ai aucune explication, je ne sais pas où je vais et je ne comprends pas. Donc vous arrivez dans une nouvelle famille, vous qui n'avez connu que la violence, dans quel état d'esprit et qu'est-ce que c'est les premières images ? Alors les premières images, c'est un restaurant. Une grande bâtisse, je monte les escaliers, je rentre dans cette grande salle et sur la gauche, une autre pièce avec une table et je reviens directement sous la table avec le chien. Et j'y suis restée pendant quelques heures pour me sentir en sécurité parce que j'étais complètement perdue là. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer là ? Et quelque part, c'est encore un sentiment d'abandon. C'est un sentiment d'abandon parce que je me retrouve... Seule parmi des inconnus. Voilà, seule parmi des inconnus, des parents qui sont là. Ils se présentent comme vos parents ? Oui, oui. Surtout qu'il n'y avait mais strictement aucune ressemblance. Mais je l'ai trouvé beau. Mon papa, il était grand, bel homme. Ma mère était jolie aussi. Et bon, mais pour moi, c'était des inconnus quand même. Ouais. Et petit à petit, l'apprivoisement va se passer comment ? En combien de temps ça va se passer ? Ma maman a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il fallait du dialogue, beaucoup de dialogue. Mais mon père, par contre, c'était complètement le rejet. Le rejet, je pense, peut-être le rejet de l'homme. Vous aviez connu l'homme violent ? Voilà. Donc cet homme-là qui semblait être bon finalement ou pas ? Oui. Il semblait, mais pour moi, c'était un homme. Donc, il a mis énormément de temps à m'approcher, au moins un an. Vous vous rappelez justement de ce moment où d'un coup, vous lâchez prise et vous êtes en confiance avec lui ? Il m'a pris par la main. Au bout d'un an ? Au bout d'un an. Je crois que c'est un souvenir que je n'oublierai
jamais. Mon papa, ce grand homme, bel homme, qui me prend par la main et qui m'emmène me balader avec lui. Et là, je me suis sentie en sécurité, d'un coup. Et régulièrement, ben, il m'emmenait à la pêche, il m'emmenait chercher les champignons, aller au cèpe. Ça, j'adorais ça. C'était sensationnel. Alors, ce qui est fascinant pendant cette période, parce que vous connaissez la violence, vous êtes avec des inconnus, ils mettent du temps à vous apprivoiser. Oui. Là, vous sentez enfin en sécurité. Donc, si je calcule bien, vous avez 8 ans. Oui. Et ces gens-là se présentent comme vos parents. Oui. Et donc, y a des choses qui vous troublent, mais on vous donne des réponses. À moi, la question qui m'a tout le temps troublée, c'est ma couleur de peau. Là, vous êtes dans la Creuse. Je suis dans la Creuse. J'arrive dans un village où il n'y a que des Blancs. Et mes parents sont blancs. Et bien souvent, ben, la question qui revenait régulièrement, je demandais à mes parents, mais comment se fait-il que je suis bronzée et vous, vous êtes blanc? Et ma mère me disait, mais regarde bien ton papa, il est quand même un peu bronzé. Elle vous montre des photos de vacances. Et voilà, elle me montre des photos. Et c'est vrai que, ben, regarde, on se dit, bon sang, elle a peut-être un petit peu raison, oui. Bon. Donc ça vous apaise un temps? Ça m'apaise, mais je reste quand même assez étonnée parce que il n'y a pas la ressemblance. Alors les cheveux, parce que vous n'avez pas les mêmes cheveux, vous avez les cheveux crépus à ce moment-là. Oh, régulièrement, tous les mois, tous les deux mois, j'allais chez le coiffeur. À votre demande ou c'est votre maman? C'est ma maman, me faire défriser les cheveux. Pour que vous lui ressembliez plus? Voilà, que je devienne leur fille. Et quelque part, bon, ça a été des séances assez compliquées pour moi parce que ça faisait mal. Et puis au fil du temps, je me suis habituée. Mmh. Mais ça m'a un petit peu choquée quelque part. À l'âge de 13 ans, vous découvrez le carnet de santé. Alors là, un nouveau doute. Oui, un nouveau doute parce que sur mon carnet de santé, je vois donc mon nom, mon prénom. Et puis au-dessus, mais quelque chose de très gribouillé, très très gribouillé. Puis je me pose la question, mais pourquoi il y a une rature? Et là, je pose la question à ma mère. Elle m'a dit, mais c'est rien, c'est parce que voilà, j'ai gribouillé comme ça. Elle a toujours été très évasive. Sa famille maintient le secret et croit protéger Valérie de la vérité, elle qui jusque-là ne s'était jamais sentie différente. Mais à l'école, ses camarades se chargent de lui rappeler la couleur de sa peau. Je me souviendrai toute ma vie de ma première journée à l'école. Donc c'est ma maman qui m'a emmenée. Frappe à la porte, je vois un instituteur et tout un tas d'enfants. Bon. Ça a été pour moi la panique. Et pour la première fois, j'ai dit « Maman ». J'ai hurlé « Maman, je t'en supplie, ne m'abandonne pas ». Donc tant et si bien que ben, l'instituteur a fermé la porte à clé et j'étais derrière la porte. Non, non, je veux sortir. Et là, je me suis mise accroupie dans un coin de la classe et j'ai attendu pendant des heures. Votre mère est dans quel état à ce moment-là? Ma maman, eh ben, elle est un peu paniquée, quoi, parce qu'elle elle se dit, mais comment ça va se passer? Et c'est là que l'instituteur a insisté, il faut absolument que ça se passe comme ça. Et voilà, ça s'est pas très bien passé, en fin de compte. Alors, pendant ces années à l'école, c'est quoi les images qui vous viennent? Oh là là, bon, on me traitait de négresse, on me traitait de Blanche-Neige, et là, je me sentais complètement exclue. Et à un moment donné, donc, mes parents ont trouvé la solution, c'est que j'avais un voisin qui était assez grand, costaud, et c'est lui qui m'emmenait à l'école après, par la suite, et je me suis sentie en sécurité parce qu'ils avaient affaire à lui. Ça ne s'est pas arrêté avec le collège? Ah, pas du tout. Ça a été encore pire, le collège. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un milieu d'ados blancs et les ados sont encore plus durs. Et là, ça a été des moments extrêmement douloureux par rapport au racisme. Où j'ai même une élève qui avait fait une chanson sur moi, la petite négresse qui pisse dans l'eau. Enfin, c'était pas très sympa, quoi. Bon. C'est un euphémisme, c'était pas très sympa. Ouais, c'est vraiment, c'était horrible. Elle la chante devant tout le monde, c'est ça? Elle la chantait devant tout le monde, devant moi. Donc là, vous êtes rejetée? Je suis rejetée. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête à ce moment-là? Parce que vous avez 13 ans. Oui, donc là, je me dis, ben, il faut que je travaille, il faut que je bosse et que je me sorte de là. Ça, c'est le monde des enfants qui est cruel. C'est le monde des enfants qui est cruel. Et comment ça se passe dans le monde des adultes, puisque vos parents tiennent un restaurant? Oui,
Une fois, il y a un client qui a osé me traiter de négresse. Mon père l'a mis dehors. Là, vous voyez votre père vous défendre. Ah oui, je vois mon père me défendre. Comment dire, je me sens en sécurité. J'ai dit, ça y est, voilà, c'est vraiment mon père. Et mon père, ça a été un dieu pour moi. C'est fort comme phrase. C'est un dieu, même encore. Quelles sont, au fond, vos ressources? C'est-à-dire, comment vous arrivez à vivre dans ce monde, effectivement, où vous vous sentez différente, où il y a des troubles sur votre identité? Il y a ces livres, la France entière a lu ça, Martine en bateau, Martine à la montagne. Alors, pourquoi c'est important, ces livres? Eh bien, Martine, ça a été mon modèle. Une petite fille qui est toujours souriante, blanche, qui fait plein de choses. Et bon, voilà, je m'identifiais à Martine. Mais au fond, qu'est-ce qui vous attire chez elle? Sa joie de vivre. Voilà, non, j'aime beaucoup. Ça vous aide à vivre? Ça m'aide à vivre, hein, ça m'aide à avancer. Hein. Martine vous fait rêver et puis vous vous échappez aussi par le dessin. Ah oui, je suis passionnée par le dessin et je suis douée. Et vous rêvez d'une carrière dans le dessin? Vous rêvez de faire les beaux-arts à ce moment-là? Oui, donc j'en parle à mes parents, je dis à ma mère, et elle me dit pourquoi pas à l'école des beaux-arts. Mais bon, c'était à Paris, beaucoup trop cher, donc un rêve qui ne pouvait pas se réaliser. Alors au lycée, là vous découvrez qu'il y a d'autres enfants qui vous ressemblent, mais vous n'osez pas leur parler. Oui, il y a beaucoup d'enfants de couleur, beaucoup d'ados. Aguerrés dans la Creuse, il y a beaucoup d'ados. On se sourit, mais sans plus, quoi. En classe de seconde, dans ce lycée, Valérie trouve enfin ses marques. Sa différence est moins remarquée, mais l'apaisement sera de courte durée. Quelle découverte est-ce que vous faites à l'âge de 16 ans? Ah ben voilà, je me vois. Franchement, par contre, là, c'est des souvenirs très précis. Ma mère est en train de cuisiner et qui me demande « Est-ce que tu peux aller dans la chambre chercher quelque chose dans l'armoire ?» Bon, je vais dans la chambre et puis je ne trouvais pas. Je fouille. Et là, je tombe sur un papier qui me dit... C'est marrant, qui me dit d'ailleurs. Qui me dit « Mes parents ne sont pas mes parents » et que j'ai été adoptée. Mais alors là, ça a été pour moi la douche froide. Je dis, mais c'est pas possible. Je me suis assise sur le lit et j'ai craqué. Au départ, ce sont des larmes de tristesse, Trahison ? De trahison, ah, complètement. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? En fin de compte, toutes mes questions par rapport à ma couleur de peau, il y avait quelque chose. J'avais raison. Et là, ça a été le sentiment. J'ai été très en colère. Très en colère. Et je vais voir ma mère, je lui montre le papier et je lui dis, c'est quoi ça? C'est pas possible, que... je veux que tu m'expliques. Donc elle arrête de cuisiner et on s'installe à table. Elle est dans quel état là? Elle est livide. Et là, je lui dis, j'ai besoin que tu m'expliques. Tu es ma mère ou tu n'es pas ma mère? Et elle me dit, non, je ne suis pas ta maman. Tu as été adoptée, tu es née à La Réunion, tu t'appelais Marie-Germaine. Voilà, j'avais un autre nom et un autre prénom. Et elle me dit... Elle dit, vos parents sont morts. À ce moment-là. Que j'ai plus de parents. Que je n'ai plus de parents. Et c'est là qu'elle m'annonce que j'ai des frères et des sœurs qui vivaient à Guéret. Dans la même ville. Dans la même ville. Peut-être même ces enfants à qui vous étiez en train de sourire. Exactement, c'est-à-dire qu'on se croisait dans Guéret sans savoir qu'on était frères et sœurs. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? D'apprendre cette information qui n'est pas rien, quand même. Eh ben, je me dis, Valérie, il faut absolument que tu ailles vers tes racines, vers ta famille biologique. Alors avant de voir comment ça s'est passé, effectivement, ces rencontres, est-ce qu'elles ont eu lieu, réaction de votre papa quand il rentre à la maison le soir? Ah ben mon papa qui rentre, et puis votre Dieu. Mon Dieu qui rentre, qui arrive là dans cette cuisine et qui me voit décomposée. Il regarde ma mère et puis elle lui dit, ben voilà, elle a découvert qu'elle a été adoptée. Et il me dit, tu sais, ça fait longtemps que tu aurais dû lui dire la vérité. Et là, pour la première fois de votre vie, vous allez le voir pleurer. Ah oui, il a pleuré. Thank you.
Alors, vous allez rencontrer un premier frère. Oui. Et qui organise la rencontre ? Alors, la rencontre est organisée par mes parents, parce qu'au fil du temps, voilà, ils m'ont dit, écoute, on va t'aider à retrouver ta famille. Donc, ils ont prévu cette rencontre. Et pour moi, elle a été exceptionnelle. Vous vous rappelez des heures qui précèdent la rencontre ? Oh là là ! Aïe, 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 oui ! Donc là, vous avez 16 ans. J'ai 16 ans et puis je sais que mon frère va arriver. C'est un concept abstrait en plus. Je me suis c'est un inconnu dont on dit que c'est votre frère. Oui, voilà, c'est ça. Je ne dors pas de la nuit déjà. Non, je ne dors pas de la nuit et je me réveille très tôt. Et j'attends, et j'attends, et j'attends, et j'attends. Vous répétez devant la glace. Oui. Comment je vais être ? Qui je vais rencontrer ? Comment ça va se passer ? C'est l'inconnu quand même pour moi. La porte s'ouvre et vous rencontrez qui ? Je rencontre un garçon, un beau garçon qui a à peu près la même taille que moi, qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, qui a la peau bronzée. Et tout de suite, ça a été le regard. Le regard, le silence. Et il a quel âge à ce moment-là quand vous avez 16 ans ? 5 ans de plus que moi. D'accord, donc lui il a 21 ans. Voilà à peu près. Vous voyez un garçon de 21 ans rentrer, voilà. C'est votre frère. C'est quoi la sensation qui domine ? Il y a de la gêne ? Vous arrivez la à vous connecter. De la crainte ? De la crainte. De la part crainte. Et d'autre ? Oui, bien sûr. Et puis, enfin, il a un sourire. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai enfin un petit bout de ma vie, de mes origines. Un petit bout. Est-ce que vous parlez du sujet ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous savez si lui savait des choses à ce moment-là ? Est-ce qu'il connaissait votre existence ? Alors, on aborde le sujet. Et il m'a simplement dit, mon frère ne voulait pas trop remuer ce passé qui est douloureux, il ne voulait pas trop remuer la boue. Mais c'est sa formule, ça ? C'est sa formule. Par contre, il me dit, Valou, il m'appelle Valou, nous avons quand même essayé d'avoir un contact avec toi. Là, ce contact-là, j'avais 12 ans. Au moment où ma grande sœur et mes deux grands frères essaient de me contacter, ils viennent au restaurant. Et c'est là, quand il m'a dit ça, que j'ai eu ce flash. Je me suis dit, mais en fin de compte, il a pas tort, parce que je me souviens de ce moment où j'ai vu ces trois personnes qui parlent à mes parents. Qui parlent à mes parents. Et après, je me vois revenir dans la cuisine et je demande à ma mère... Qui sont ces personnes ? Et elle n'a jamais voulu me dire. Et mes parents ont refusé le contact. Ma mère, surtout ma mère, hein, qui a refusé le contact. Ils sont partis comme ils sont venus. Et qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous comprenez ce qui s'est passé 4 ans avant ? Toujours la colère. Hein, et vous êtes en colère contre qui à ce moment-là ? Ma mère. C'est là que je me suis dit, en fin de compte, j'ai vécu dans le mensonge pendant des années. Et là, donc, j'ai envie que mon frère m'en dise un petit peu plus. Et il me dit, tu sais, Valou, on avait interdiction d'avoir des contacts avec vous. De la part de vos parents ? De la part, non, des services sociaux. Donc là, vous vous sentez un peu trahi par Toulon, des institutions ? Ah, complètement. Complètement. Là, c'est la trahison complète des institutions, de mes parents. Et je ne vois que ce frère qui est là, ce lien qui va se créer, cette fratrie qui m'a manqué. Elle vous dit, votre maman, à ce moment-là, parce que j'imagine que vous lui en parlez, elle vous dit pourquoi elle a fait ce choix ? Oui, elle m'a dit, si j'ai fait ça, c'est pour te protéger, j'avais peur de te faire souffrir. Tu es ma fille et tu es notre enfant et on voulait te garder pour nous. Elle a peur de vous perdre finalement ? Complètement. Elle a la sensation que si vous connaissez vos origines, voilà. Elle va vous perdre. Elle va me perdre. Elle va vous mentir par amour. Elle va me mentir par amour. Mais donc cette rencontre avec... Ce frère-là a été pour moi le plus beau moment de ma vie. Le premier jour du reste de votre vie. Le premier jour du reste de ma vie. Vous allez découvrir que vous avez 5 frères et sœurs dans la même ville. Dans la même ville. J'ai su par mon frère qui me dit que les 3 premiers enfants ont été à la DAS jusqu'à leur majorité. Les 3 dernières ont été adoptées par des familles différentes. Et voilà, donc c'est dur. C'est dur d'apprendre ça. Et du coup, vous allez vous rencontrer ?
tous ou pas? Nous allons tous nous rencontrer. J'ai rencontré une autre sœur, j'ai rencontré la grande sœur qui, elle, les grands, les deux premiers, les deux grands, savaient beaucoup de choses. Vous êtes l'avant-dernière? Je suis l'avant-dernière de toute la fratrie. Et après, donc, il y a ces rencontres régulières avec les frères, les sœurs. On s'apprivoise, on apprend à se connaître. Et... Valérie retrouve sa famille. Des liens s'établissent entre ses frères et sœurs biologiques venus de loin et qui se sont ignorés si longtemps. Au même moment, elle devient mère de deux enfants, Virginie et Anthony. Elle a à peine 25 ans. Ses retrouvailles l'apaisent et il est désormais temps de calmer ces questions qui la hantent. Mais cette paix est fragile et va bientôt voler en éclats. À 25 ans, le passé ressurgit avec violence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être assez difficile d'en parler, mais il faut le dire. Mon grand frère a mis fin à ses jours. Il s'est suicidé. Je suis désolée, je vais peut-être un petit peu être émotive parce que on ne s'attend pas à ça. On ne s'attend pas à une telle violence et se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait quand même deux filles, il avait sa famille et on était là. Et est-ce que c'est ce passé douloureux qui lui a... Qui l'a tourmenté. Qui l'a tourmenté. Là, la vérité, il faut la connaître. Et donc à 29 ans, 4 ans plus tard, vous décidez de partir à l'île de la Réunion pour la première fois de votre vie, sur la terre où vous êtes née. Et là, ma mère adoptive était là. Et pour elle, c'était inconcevable. Elle le vit très très mal. Pourquoi à 29 ans elle est contre? Elle a encore peur de vous perdre à 29 ans? Ah oui, complètement. Elle était très possessive, ma maman. Donc très possessive, assez directive. Et pour elle, c'était pas possible. Je retourne vers mes racines. Attention, ça va certainement mal se passer. Elle va vouloir y rester. Je vais perdre ma fille par amour. Par amour, hein, pour moi, ça j'en suis persuadée. Et malgré son refus, malgré ses contestations, je suis partie. Donc je suis partie. Et première fois que je prends l'avion, j'arrive à La Réunion, je descends de cet avion et là je vois des montagnes. Des choses qui ne ressemblent pas à la Creuse. Mais pas du tout. Donc vous êtes partie avec qui? Je suis partie avec ma grande sœur, mon frère, je suis partie avec les enfants, mes nièces, mes neveux, voilà, en famille. Donc quelque chose qui ressemble à des vacances? Quelque chose qui ressemble à des vacances, voilà. Mais vous avez quand même une idée en tête, c'est retrouver certaines personnes de votre famille. Tout à fait. Je retrouve une tante, mais quelque part, du fait que j'ai été tellement martelée dans l'esprit que ma maman était creusoise, que ma vie était en Creuse, que la Creuse, c'était... C'était presque un conditionnement. Voilà. Que là, ça a été le rejet. Le rejet... Enfin, j'étais... spectatrice. Je vois la case où je suis née, où nous sommes tous nés. Hein. Et là, on voit la case en tôle. Quelque part, je me dis, bon sang, je laisse en Creuse une belle vie. Et parce que vous sentez quoi? De la pauvreté à ce moment? Complètement. La pauvreté dans ma famille. La pauvreté, se retrouver dans des cases en tôle, se retrouver... voilà, c'était vraiment la pauvreté. Et votre tante, vous parlez quelle langue avec elle? Alors, ma tante me parle créole. Et vous ne parlez pas créole? Je ne comprends pas. Ah, mais rien du tout, rien. Pour moi, j'ai fait un rejet de cette nouvelle vie, de ses racines. Ça ne correspond pas à ce que vous attendiez à ce moment-là? Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Et pourtant, Dieu sait si on a été reçus. Ils sont tellement pauvres, mais ils ont tellement la main sur le cœur que, bon, je suis passée à côté de ça. Voilà. Donc, et vous rentrez? Je rentre. Et vous avez la sensation que vous êtes vraiment de la Creuse, et que c'est ça votre vie, à ce moment-là? Voilà, je suis une creusoise. Je suis une creusoise. La Creuse, c'est ma terre d'adoption. Et voilà, je vis ma vie de creusoise. Valérie ne garde aucun contact avec l'île de la Réunion. Et elle n'en parle pas avec ses frères et sœurs. La vie quotidienne reprend ses droits.
Maman d'un troisième enfant, un petit Nicolas, elle se consacre désormais à ses proches et à son travail. Mais en 2002, le destin va se charger de raviver ce passé qu'elle croyait oublié. Valérie a 39 ans et le procès médiatique des enfants de la Creuse vient de s'ouvrir. Alors là, je suis assez choquée et étonnée d'entendre via les médias, via les journaux, qu'un Réunionnais, enfant de la Creuse, porte plainte contre l'État pour 1 milliard d'euros, pour séquestration, vol, maltraitance et déportation. Bon, je me dis, il doit y avoir un lien avec moi. Un Réunionnais, enfant de la Creuse. Donc beaucoup de similitudes avec votre histoire. Voilà. Alors, on regarde un extrait du journal télévisé de l'époque et vous me dites effectivement ce que ça vous rappelle. Avril 1966, sous le chaud soleil réunionnais, la froide raison d'État fait basculer le destin du petit Jean-Jacques. Pour repeupler la Creuse, qui a perdu la moitié de ses habitants en un siècle, Michel Debré, alors député de la Réunion, propose de déplacer de l'île quelques 300 enfants confiés à la DAS. Jean-Jacques, dont les parents sont séparés, vit avec son père dans une hutte. Des conditions précaires, selon la DAS, qui fait signer au père un acte d'abandon, avec la promesse d'un avenir meilleur en métropole. Cet enlèvement a été bien préparé par l'État et surtout par le service de la DAS. Et c'est vrai qu'arriver à Paris, hein, c'est sûr qu'il y avait une dame là qui s'est passée pour une tante et c'était pas dans une maison qu'on allait, nous avons atterri dans un foyer. Entre 69 et 71, Alix Oher était directeur du foyer pour l'enfance de Guéret. Il se souvient de ses enfants arrachés à leur île pour servir de main-d'œuvre dans les fermes de la Creuse. 30 ans après, il dénonce le mensonge qui a entouré cet exode. On a dit aux parents que leurs enfants venaient en métropole pour faire des études supérieures de médecine, d'avocat, dentiste, etc. Et puis après que tous les ans, ils reviendraient en vacances. Les parents ont applaudi demain, ils ont signé demain. Il y a 2 ans, Jean-Jacques découvre enfin la vérité. Sa mère vivante ne l'a jamais abandonné. L'État m'a volé ma vie, a volé la vie des autres enfants, a volé la vie de ses parents à La Réunion. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous revoyez ces images de l'époque ? Ben là, je revois ma vie défilée, je revois mes questions, je me dis, eh ben ça y est, oui, je suis une enfant de la Creuse. Et à l'époque, dans ce reportage, on parle de 300 enfants. Voilà. Aujourd'hui, on sait que ce sont 2140 enfants à ce jour qui sont concernés. Qui sont concernés. Là, spontanément, à ce moment de l'histoire, on pourrait se dire que vous aussi, vous allez attaquer en justice l'État français, comme cet homme. Et pourtant, non, vous décidez de ne pas le faire à ce moment-là. Oui, j'ai voulu éviter tout procès, parce que j'estimais à ce moment-là que j'avais quand même des vrais parents, des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour, qui m'ont donné de l'éducation, et par respect pour eux, il n'était pas question que je porte plainte. 2 ans plus tard, à 41 ans, vous retournez pour la seconde fois à l'île de la Réunion, et là, vous aviez laissé passer 12 ans. Mmh. Alors, en quoi ce voyage va être différent ? Parce que là, je décide de m'installer sur mon île natale. Je pars avec mes 2 enfants sous le bras. Je me dis là, ben, je me lance. J'ai le courage de partir et de me lancer vers une nouvelle vie, une nouvelle aventure pour comprendre cette histoire, pour comprendre ma vie, pour comprendre cette histoire. Mmh. Voilà. Et donc, 2 ans après votre arrivée, le conseiller général de l'île de la Réunion va vous donner des informations et un document. Et un document très particulier, oui. C'est cette carte d'identité. Elle est précieuse, cette carte d'identité. Très précieuse. Sur cette carte d'identité, bon, bah déjà, j'ai mon nom, mon vrai nom, mon vrai prénom, ma date de naissance, j'espère que c'est la bonne, et mon lieu de naissance. Là, je suis réunionnaise. Mmh. Vous vous rappelez ce que ça vous fait d'avoir ce document dans les mains ? Ah ben écoutez, cette quête d'identité, ça a été un début vers ce chemin de la résilience, quelque part. Je suis née à La Réunion, je suis réunionnaise, je veux redevenir réunionnaise. Et c'est mon combat personnel actuel. Et c'est vrai que quand je suis allée chercher ce dossier à la Réunion, au Conseil général, j'ai rencontré une assistante sociale qui a été extraordinaire.
et qui m'a donné qu'une partie de mon dossier, pas la totalité. Et là, je me rends compte qu'on aurait besoin d'un soutien psychologique. Qu'est-ce que vous apprenez ce jour-là ? J'apprends que ma mère biologique a signé l'acte d'abandon un an avant son décès. Je vois exactement le même document que celui de Jean-Jacques qu'on voit là sur dans le reportage, où il y a donc mon nom, mon prénom, mon matricule, et que je suis apte à partir pour la métropole. Et en bas, c'est signé pour un seul voyage. C'est un aller simple. Un aller simple. Donc là, c'est la réunion. C'est l'administration de réunionnaise qui décide de votre sort. Décide de notre sort. Valérie est maintenant décidée à faire ce chemin vers son histoire et ceux qui ont partagé son destin. En 2013, elle rejoint l'association des enfants de la Creuse et en devient même secrétaire générale. Aujourd'hui, elle cherche la vérité, c'est devenu le combat de sa vie. C'est quoi le combat et quelles sont les victoires jusqu'à aujourd'hui ? En fin de compte, en 2013, je rencontre pour la première fois mon compatriote qui a porté plainte contre l'État pour 1 milliard d'euros. Et je rencontre également un autre compatriote. Donc on est là, tous les trois, y compris un historien, et on décide de remonter l'association, là-bas, qui œuvre pour cette reconnaissance de cette histoire. Et je me lance. Je me lance à fond dans ce combat. On met en place un projet au Conseil général de la Réunion qui accepte de financer une œuvre d'art. Et donc, fin 2013, nous avons fait l'inauguration de l'œuvre d'art qui se trouve à l'aéroport, et nous avons choisi ce lieu parce qu'il est très symbolique. C'est là où tout commence et là où tout finit. Cette histoire qui était cachée, parce que vous avez vécu dans le mensonge. Complètement. Cette histoire était un peu la honte de l'histoire de France. Mmh. Et là, d'un coup, vous décidez que ça va apparaître là où tous les gens viennent visiter la Réunion. Et donc, votre histoire et celle de tous ces enfants va être connue de tous. Voilà, c'est là quel symbole ? C'est ça. Et ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre d'art, c'est qu'on voit une petite fille qui tient sa valise. Et là, derrière, il y a le garçon qui est là pour essayer de la retenir. Et cette œuvre d'art est dirigée vers l'océan. C'est-à-dire qu'on part. On part. Et ce qui était fort dans ce moment-là, c'est qu'enfin, il fallait que cette histoire soit connue à La Réunion. Parce que je trouve que les Réunionnais ont du mal à accepter leur propre histoire. Et donc ça, c'est le premier pas vers la reconnaissance. Et puis en février 2014, il va se passer quelque chose de très important. C'est l'État français qui reconnaît. Le 18 février 2014, Erika Baretsch, qui est alors députée de la première circonscription de La Réunion, porte à l'Assemblée nationale une résolution. Résolution qui demandait quoi ? Qui demandait que l'État français reconnaisse son erreur et qui demandait que tout soit mis en œuvre pour que les victimes puissent avoir accès à leurs origines. Et au final, le résultat tombe. C'est accepté. Pour 125 contre 14, l'Assemblée nationale a adopté. Quelque chose de très, très, très fort, très intense, c'est qu'ils se sont tous levés. Ils se sont retournés vers nous et ils nous ont applaudis. C'est magnifique. Tous les députés se sont levés, se sont tournés vers nous et ils nous ont applaudis. On était là-haut. Merveilleux. Là, vous dites quoi ? Une étape de gagner. Une porte d'ouverte, une grande porte d'ouverte. Et la reconnaissance de l'État français. Donc, étape très très importante. Le combat continue. Une commission nationale est mise en place pour faire toute la lumière en fait sur cette histoire. Ça, c'est la première fois. C'est-à-dire que cette commission va permettre de faire la lumière sur cette histoire, sur cette page sombre de l'histoire française. Et ils vont également travailler sur nos attentes, à nous, les ex-mineurs. Et les attentes, c'est quoi ? Pour nous, les transplantés, c'est la priorité, ce sont les billets d'avion.
les bidallions que nos... Qui ont été promis. Tous les ans, on devait retourner à la Réunion. Cette promesse n'a pas été tenue. Histoire que ces enfants qui sont devenus des adultes puissent aller, même s'ils n'en ont pas les moyens, sur ces terres. Bien évidemment. On voudrait que notre histoire soit reconnue crime contre l'enfance, égal crime contre l'humanité. On souhaiterait aussi avoir accès en totalité à nos dossiers. On n'a rien à nous cacher, on veut savoir la vérité. On demande que notre histoire rentre dans les manuels scolaires. C'est une histoire de la France. Ça, c'est important pour nous. Le contraire du mensonge que vous avez toujours vécu. Aujourd'hui, vous êtes de la Creuse, vous êtes réunionnaise ou vous êtes creusoise? Je suis les deux. Une creuséole. Joli mot. Dans quelques instants, on va recevoir ensemble votre meilleure amie, qui vous connaît bien, qui a connu beaucoup d'épisodes de votre existence, qui va dire pourquoi c'était si important pour vous. Et puis une pédiatre qui est spécialisée justement dans l'adoption. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre histoire? Que plus jamais ce genre de situation recommence. Moi, ce que je dirais aux parents adoptifs qui adoptent, surtout dites la vérité à vos enfants, parce que ça peut être fracassant à un moment donné dans leur propre vie. Le moindre petit mensonge peut paraître une grande trahison. Une grande trahison. Pour qu'un enfant puisse se construire, se reconstruire, il a besoin d'aller vers ses origines, d'aller vers son identité. Le passé, c'est la chair du présent. Alors, à mes compatriotes, je dirais, allez chercher votre identité. Battez-vous jusqu'au bout. Ne baissez jamais les bras. Jamais. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. Je vais aller chercher. Oui. À tout de suite. Oui. Lorsque mes invités, comme Valérie aujourd'hui, survivent aux épreuves, c'est aussi grâce à leur entourage. Mais un mystère demeure. Comment s'échappe-t-on du pire? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter sa meilleure amie et une pédiatre spécialisée dans l'adoption, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. Il ne s'agit pas de dire toutes les vérités aux enfants, mais la vérité des origines, elle doit être dite le plus vite possible. Même s'il ne comprend pas les mots, il comprend ce que veut dire le parent et on peut éviter le traumatisme de la révélation. Il y a des douleurs cachées. Il faut que des personnes puissent parler pour arriver à faire éclore chez d'autres ce besoin de parler. Merci à toutes les deux d'être ici. Anne, vous êtes pédiatre, spécialisée au fond dans l'adoption, puisque vous accompagnez des parents avant l'adoption et vous suivez longuement ces familles et les enfants. Et vous connaissez bien cette question des origines, cette quête de l'identité, de la vérité. Et vous allez nous dire ce que vous savez aujourd'hui, finalement, quels sont les besoins des enfants. Et puis on va parler effectivement de ces générations d'avant, j'ai envie de dire, qui ne savaient pas toujours comment faire, qui faisaient de leur mieux et qui... ont été, comme dans le cas de Valérie, dans une sorte de déni quasiment et de mensonge. Absolument. Et vous nous direz au fond qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui quand d'abord quels sont les besoins des enfants et puis quand des parents adoptent des enfants, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Alors vous êtes amie depuis très longtemps, Hélène. Vous avez connu Valérie à l'âge de 19 ans, c'est ça je crois? Valérie avait 19 ans. D'accord. Voilà, moi j'avais un petit peu plus, j'avais 24 ans. Et est-ce que vous vous rappelez de votre réaction quand elle vous a raconté sa propre histoire? Parce qu'elle en était au début, à ce moment-là, elle ne connaissait pas toute son histoire. D'improbable, ça paraît fou. Mais à ce moment-là, on n'avait que des bribes d'histoire. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes, je le dis quand même pour le docteur, c'est-à-dire que vous êtes aguerré dans la Creuse. Oui. Et là, Valérie vient de découvrir un document. En fait, elle a des frères et sœurs dans cette ville, dans cette petite ville. Et donc, ce qui est improbable pour vous, c'est ça, c'est qu'elle ait grandi à côté de ses frères et sœurs sans le savoir. Voilà, sans le savoir. Et avec tous ces non-dits. Ouais, sa vie construite sur un mensonge. Et vous avez vécu ces non-dits d'ailleurs, parce que vous êtes amis de la famille, et donc vous connaissez la maman, votre papa et votre maman ne sont plus aujourd'hui, ils sont décédés, mais à l'époque, c'est une maman très très bavarde, qui parle beaucoup, mais surtout pas de ça. Et possessive. Ouais, vous rappelez de maman possessive, ça va expliquer très, très aussi. Très possessive. Elle a toujours besoin de savoir où est Valérie. Elle peut même nous appeler en pleine nuit pour savoir où est sa fille. Donc c'est dire la peur de la perdre. Alors que Valérie est déjà à l'époque maman avec deux enfants, mais elle a terriblement peur de la perdre, oui. Donc finalement, elle connaît cet enfant à l'âge de 7 ans et elle va elle-même élever cet enfant dans cette peur. Oui. Et quand vous savez
des choses que vous venez dans la famille, donc vous connaissez son histoire. Est-ce que vous vous rappelez d'un sujet de conversation dans la famille où on parle de ça, ou est-ce que c'est le sujet tabou? Son frère en parle assez facilement. Mmh. Mais les parents? Les parents, non, pas du tout. Mmh. Alors, vous êtes spécialiste, effectivement, de la question de l'adoption. Et alors, dans l'histoire de Valérie, il y a quelque chose de très particulier, c'est qu'enfant, elle se rend bien compte que ses enfants de la Creuse n'ont pas la même couleur qu'elle. Mmh. Et sa maman la rassure. Alors évidemment, on se dit, mais cet enfant a 7 ans. En lui disant, mais si, regarde, ton papa est également de la même couleur. Et elle lui montre des photos de vacances où le père est très bronzé. Oui. Et ça va l'apaiser ou la rassurer. Ça fait sourire, évidemment, dans notre regard d'adulte. Et elle va passer beaucoup de temps, tous les mois, à lui défriser les cheveux. C'est-à-dire à gommer cette différence et à accentuer une forme de ressemblance. Oui, je pense qu'on était vraiment à une époque où, en tout cas, on avait peu de connaissances des émotions et des sensations que pouvait vivre un enfant. Et on leur prêtait pas tellement de sentiments, finalement. Et en particulier, c'était les parents qui étaient là pour dire la vérité, et il n'y avait pas de contestation possible. Mm-hmm. Donc, à la fois 7 ans, c'est intéressant comme âge, parce que c'est l'âge où justement les enfants commencent à rentrer dans ce qu'on appelle le roman familial, et tous les enfants s'imaginent vers l'âge de 7-9 ans qu'ils ont été adoptés. Et donc, on va rentrer en collision avec cet âge où tous les enfants, qu'ils soient adoptés ou pas, rêvent qu'ils ont été adoptés, et en général, ils ont été adoptés par des parents bien mieux que dans leur fantasme. Voilà, que leurs parents biologiques. Mmh. Et puis Valérie qui, elle, se retrouve dans une position où elle est effectivement adoptée. Donc ça veut dire que dans la tête de ses parents, elle n'est pas tout à fait légitime à être leur enfant. Mmh. Et donc on imagine comment, dans le fantasme, dans le non-dit et dans l'inconscient, on imagine que ça a dû être très compliqué. Pour elle, évidemment, mais pour ses parents aussi. Et les parents de l'époque, parce qu'évidemment, on ne va pas stigmatiser vos parents qui étaient aimants, comme non. vous dites. Ah, oui. Les parents de l'époque avaient la sensation de protéger les enfants parce que la vie, c'était trop compliqué. Alors, la vie, c'était trop compliqué, trop dur. On ne disait pas, par exemple, à un enfant que la grand-mère était décédée. On ne l'emmenait certainement pas à l'enterrement. On pensait les protéger de tout ça. Et on pensait protéger vraiment les enfants de la connaissance de l'adoption, dont on pensait qu'ils seraient capables de l'assumer quand ils seraient devenus adultes. Donc, on reportait le problème à plus tard. Oui, c'est ça. En pensant les protéger. Oui, exactement. Quand Valérie découvre, d'abord le carnet de santé, vous avez 13 ans. Oui, oui. Et là, il y a des ratures. Et donc, elle dit, qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a des indices de plus en plus forts. Oui. Et là, à nouveau, du déni, quelque chose d'évasif. Vous sentez de la gêne chez votre maman. Vous insistez pas tant que ça, finalement ? Non, j'insiste pas. Je pense que les enfants protègent beaucoup les parents. Bien souvent, les enfants, comme c'est totalement inconscient, ils sont plus protecteurs que les parents, en définitive. Et je pense que Valérie a vraiment senti que sur ce sujet-là, sans en avoir la conscience à proprement dit, qu'elle pouvait blesser énormément sa maman. Que là, il y avait quelque chose qui était impensable et qui était indicible. Et donc, on n'allait pas bien chercher, on n'allait pas plus loin. Et puis, je crois que c'était une époque où on ne questionnait pas non plus énormément ses parents, je crois. Et ça vous parle ? Oui, tout à fait. Parce que vous posez des questions quand c'est vraiment trop dur, quand d'un coup, vous avez quelque chose sous les yeux. Mais au fond, vous n'insistez pas tant que ça. C'est-à-dire, vous sentez que c'est un problème, que c'est quelque chose qui gêne. Oui, j'ai tout de suite ressenti que c'était un sujet tabou et qu'il fallait vraiment pas en parler. Mais par rapport à protéger ses parents, eh ben, ça a été le cas quand moi je suis allée à La Réunion où ma mère était vraiment contre cette idée-là. Et là, vous êtes adulte, là, vous avez 29 ans. Oui. Et en fin de compte, quand je suis arrivée à La Réunion, ça a été le déni. Parce que je savais que à côté de ça, ma mère était là et qu'elle souffrait. Ça vous a gâché la découverte ? Voilà, ça m'a gâché la découverte parce que je voulais protéger ma maman. Mmh. Et alors, si on est dans la pédagogie, au fond, de ce qu'on sait aujourd'hui, de ce que vous savez de votre expérience, les parents qui adoptent un enfant se posent la question de savoir à quel moment le dire, à quel âge et quel mot employer. Mmh. Vous dites quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, en définitive, d'abord, une majorité des enfants qui sont adoptés ressemblent peu physiquement à leurs parents, que ce soit un enfant asiatique ou un enfant d'origine africaine. Ils ressemblent suffisamment peu aux parents pour que la question ne se pose pas tellement. Mais finalement, ce qui est conseillé aux parents d'emblée, c'est de parler très très vite aux enfants, j'ai envie de dire, dès le premier jour. Mais de leur dire ou d'attendre qu'ils posent des questions ? Non. Alors, quand les parents sont clairs dans leur tête, quand ils savent qu'ils ont adopté et qu'ils en parlent avec facilité, et ils en parlent tous avec facilité dans leur entourage. Dans ces cas-là, l'enfant, il entend. C'est quelque chose de naturel. Et donc, il n'y a pas besoin de protéger ses parents de cette connaissance-là. Par contre, parler de la famille biologique, hein, des parents de naissance, en discuter avec l'enfant et répondre à ses questions, nous, on est plutôt à dire qu'il faut attendre que l'enfant soit prêt à poser des questions.
Parce que le moment où il les pose, c'est le moment où il est prêt à les entendre. D'accord. Donc, c'est deux choses différentes. Si j'ai bien compris, c'est l'adoption, c'est quelque chose de naturel, on en parle, oui. Les origines de l'enfant, mais répondre aux questions quand il y a des questions. Quand il y a des questions. Pas infliger à l'enfant des informations qu'il n'est pas prêt à entendre. Valérie raconte bien ce moment, qui est une scène très forte, où à 16 ans, alors qu'on l'envoyait chercher un document dans un placard, elle découvre des papiers d'adoption. Là, le monde s'écroule, c'est ce que vous dites, et ça ressemble à une trahison. C'est-à-dire que... Tout à fait. On ne sait plus en quoi croire, ni en qui croire, j'imagine, à ce moment-là. C'est quoi les croyances qui s'écroulent ? Alors, la première croyance, c'est que les parents sont effectivement vos parents biologiques, sont vos parents de naissance. Tout d'un coup, vient sur la table en premier le mensonge, la déloyauté. Évidemment, j'imagine que la vie défile à toute vitesse. Mais alors, quand je disais ça et quand je le demandais ça, donc tout était mensonge. Alors, tout devient mensonge et on sait très bien que quand on a été confronté une première fois à un grand déficit de confiance avec une personne, c'est quand même compliqué de recréer, de retisser la confiance. Et alors, dans votre histoire particulière, il y a un événement, une tragédie qui va faire jaillir votre passé. Vous avez un frère qui met fin à ses jours. Oui. Et là, en votre fort intérieur, vous dites, mais si ça se trouve, ça a à faire avec, avec ce passé. Ce passé douloureux. Ça, c'est votre instinct naturel, votre intuition. Oui. Vous qui êtes une professionnelle de l'enfance, est-ce que vous avez la sensation que ça peut aller jusque-là, justement ? Oui. Ce besoin d'identité, de vérité. Ça ne m'étonne pas du tout. Je pense que ça rend fou, en fait. L'accumulation des mensonges, les traumatismes répétés, les traumatismes de la séparation. Et en plus, le fantasme, mais pourquoi, moi, on m'a abandonnée, quoi ? Qu'est-ce que ma une mère... culpabilité. Je pense qu'immédiatement, il y a l'empathie avec le parent biologique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce que j'ai fait, déjà ? Pourquoi j'ai été si méchant qu'on puisse m'abandonner ? Est-ce qu'on m'a volé ? Est-ce que c'est un rat ? Enfin, je pense que pour un enfant, c'est terrible. Il y a trop de mystères, trop de fantasmes à ce moment-là. Il y a beaucoup de fantasmes, oui. Et dans votre cas, vous vous êtes posé ces questions précises, cette culpabilité de « mais pourquoi moi ?» Moi, je me suis dit, en fin de compte, si je suis là, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. C'est vrai qu'on ressent ce sentiment de culpabilité, les enfants transplantés et les familles. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut passer au-delà de ce sentiment de culpabilité pour pouvoir se construire, se reconstruire et avancer. Vous êtes allé au-delà maintenant ? Vous ne le ressentez plus, cette sensation de culpabilité ? Ah, plus du tout. Ah, plus du tout. Vous avez surmonté tout ça ? Ah oui, moi j'ai complètement surmonté tout ça, mais il faut le faire, c'est important. Alors, à la suite du décès de votre frère, vous décidez de prendre l'avion pour la première fois de votre vie. Vous avez 29 ans et vous allez donc à l'île de la Réunion. Donc, vous partez avec des frères et sœurs, avec les enfants. Vous étiez là. Vous vous rappelez de l'état d'esprit quand vous arrivez ? Quand on est arrivé dans les familles, on est arrivé dans un autre monde. On ne pouvait pas penser qu'il y avait encore des personnes qui vivaient sur la terre et sous des tôles. Et donc, du coup, vous aviez l'envie de connaître vos origines, vous allez sur vos terres, et vous l'avez dit dans ce premier voyage. Finalement, vous rencontrez une tante, mais vous ne parlez pas la même langue, elle parle créole. Ouais. Vous avez cette sensation de misère, et donc, vous rentrez finalement, vous tournez le dos à ces origines-là, dans un premier temps. Voilà, un déni complet. Et je vais me retourner vers vous pour savoir si, finalement, tous ces enfants qui rêvent de connaître leurs origines, est-ce que ça arrive souvent, finalement, qu'il y a des origines fantasmées et puis que d'un coup, il y a une réalité qui est perturbante. La désillusion, je pense que c'est... Je ne dirais pas que c'est la règle, mais en tout cas, nous, ce qu'on conseille très vivement, c'est que tous les enfants adoptés qui souhaitent retrouver leur famille d'origine le fassent avec un accompagnement. De gens qui ont un peu l'habitude. Alors il y a des associations en fait d'adoptés qui ont été créées dans le but d'accompagner les adoptés dans leur famille d'origine, parce que je crois que ça se travaille, notamment pour essayer de diminuer un petit peu ce fantasme, cette illusion qu'on pourrait avoir, de cette idéalisation maternelle qu'on a tous d'ailleurs pour nos parents, qu'on a longtemps, mais qu'on a d'autant plus qu'on les connaît pas. Et puis aussi pour pas qu'on se retrouve dans cette situation de tout d'un coup le choc culturel, le choc économique qui est toujours très important. On va en général adopter dans les pays les plus pauvres. Et donc ces enfants en général qui découvrent des conditions de vie différentes ressentent quoi ? Une forme de culpabilité d'être sortis ? Alors il y a très souvent une culpabilité vis-à-vis des origines, en fait du pays d'origine. Il y a un certain nombre de ces enfants-là qui vont sublimer, on va dire, comme vous avez fait, toute cette souffrance en créant une association, en aidant les familles. Ça donne du sens en fait. Ça donne un peu du sens.
violence. Et à la fois, ça peut être aussi un peu... Il y en a un certain nombre qui vont dire qu'ils se sentent un peu happés par les familles biologiques, qui ont peut-être des attentes économiques, et ça aussi la désillusion. Donc il y a un décalage, quoi. Ouais, un besoin d'affection d'un côté et un besoin d'aide économique de l'autre. Parfois, ouais. C'est tout à fait ça. Je vois dans ma famille biologique, mon cousin qui vous dirait, là, aujourd'hui, mais c'est une bonne chose que vous soyez partis. Parce qu'aujourd'hui, tu as le savoir. Tu as une belle vie. Et moi, je lui réponds, oui, c'est vrai. Mais à quel prix? Alors, vous avez trois enfants. Oui. Quand vous leur avez parlé de ces parents qui vous ont élevés, de vos parents adoptifs, vous les avez présentés comment? J'ai présenté mes parents adoptifs comme mes parents. C'est-à-dire que vous avez reproduit, finalement, vous ne leur avez pas dit exactement la vérité tout de suite. Exactement. Donc, j'ai reproduit le schéma. C'est-à-dire que je leur ai menti. Voilà, je leur ai menti pendant quelques années. Et vous faisiez ça pour quelles raisons? Les mêmes raisons que votre mère? Exactement, pour les protéger, pour leur éviter d'être malheureux par rapport à ça et pour qu'ils deviennent forts. Tu étais en attente aussi de réponses. Comment expliquer quand on n'a pas les réponses pour soi-même en attente? Ça, il y avait trop de mystères à ce moment-là. Beaucoup de mystères. Comment expliquer à des enfants si on ne peut pas aller au bout de l'explication? Aujourd'hui, Valérie dit qu'elle témoigne pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est ces enfants qui sont en quête d'identité, je leur dis ne lâchez pas parce qu'il y a plein d'obstacles. C'est vrai qu'il y a plein d'obstacles, parce que l'administration, là aussi, pense protéger. Oui. Et donc, c'est très ambigu. Peut-être que dans l'histoire de Valérie, l'administration se protège, peut-être aussi de décisions qui, finalement, étaient quand même extrêmement choquantes. Et que. Je ne sais pas. D'État, quoi. Voilà. La raison d'État. Il me semble quand même que Valérie, en tant que maman, protège ses enfants de leur souffrance et de sa propre souffrance, parce qu'en tant que parent, on a souvent l'idée qu'il ne faudrait pas déchoir. On n'a pas à leur montrer qu'on est moins fort ou plus fragile sur certaines choses. On a l'impression que c'est aussi les fragiliser que de leur montrer qu'on a des fragilités. Donc moi, je comprends très bien qu'elle ait eu cette attitude-là avec ses propres enfants. Alors dans l'histoire de Valérie, quels enseignements on peut tous tirer finalement? Parce qu'aujourd'hui, elle se sent épanouie, en paix. Plus elle avait des informations, plus elle pouvait combler les vides et plus elle pouvait être sereine. Et qu'est-ce que ça nous dit finalement? En tout cas, moi j'entends qu'elle est en paix, elle est épanouie, mais à quel prix? Je crois quand même qu'au prix d'une enfance qui a dû être terrible, parce que je ne peux pas imaginer que Valérie, toutes ces années où elle ne savait pas ce qui s'était passé, le jour de la découverte, il me semble qu'elle sentait qu'il se passait quelque chose de très grave. Donc, moi, je dirais que la leçon, c'est qu'il ne s'agit pas de dire toutes les vérités aux enfants, mais la vérité des origines, elle doit être dite le plus vite possible, alors même que l'enfant, même s'il ne comprend pas les mots, il comprend ce que veut dire le parent. Et donc là, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus accompagnant et de beaucoup plus tendre, et on peut éviter le traumatisme de la révélation. Hélène, en tant qu'amie, quel regard vous portez sur l'histoire extraordinaire, au sens étymologique du terme, de Valérie? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette histoire? Elle nous dit qu'il y a il y a des douleurs cachées, et qu'il faut que des personnes puissent parler pour arriver à faire éclore chez d'autres ce besoin de parler. Je pense qu'au niveau de sa famille, il y a encore un grand chemin à faire pour la réunion des frères et sœurs. Que tout le monde ne partage pas la position de Valérie aujourd'hui. La position et non pas son courage. Parce qu'il faut un courage extraordinaire pour se battre pour les autres. Et c'est vrai que je suis très très... je suis très très fière de son combat. Parce qu'elle porte tellement de personnes et d'être là aujourd'hui, de parler pour elle, super. Moi je dis, et j'insiste vraiment sur le fait, je parle là aux parents qui adoptent, dites la vérité. Parce qu'à un moment donné, dans la vie de l'enfant, ça peut être fracassant. Une déflagration. Voilà, c'est un mur à 100 km/h qu'on se prend dans la tête et c'est très dur. Et moi, je suis en quête de mon identité. Je suis moitié creusoise, moitié réunionnaise, mais mes véritables racines sont à La Réunion. Et ce que je ne comprends pas là, dans mon cas personnel, c'est pourquoi je suis née en Creuse, civilement, aujourd'hui, alors qu'en réalité, je suis née à La Réunion. C'est-à-dire quoi, là? Deux identités, noms de famille, deux lieux de naissance. Ça paraît fou. Ce n'est pas possible. La loi française interdit
ce changement de lieu de naissance. Donc, moi, dans l'histoire, dans l'adoption, aujourd'hui, ça je le sais, j'en ai la preuve écrite, on ne peut pas changer le lieu de naissance d'un enfant. Donc, ce qui veut dire que moi, je pense qu'il y a eu des falsifications, je pense qu'il y a eu une adoption illégale. Mmh. Voilà, c'est pas bien, c'est pas normal. On ne peut pas enlever l'identité d'un enfant à tout prix. Alors en fait, il se passe que dans la loi française, vous avez deux types d'adoption, adoption plénière, adoption simple. Et dans l'adoption plénière, l'enfant perd son état civil pour retrouver l'état civil né des parents adoptants. Et à l'endroit où habitent les parents. L'endroit où habitent les parents, ouais. D'accord. Donc c'est une réalité administrative, légale, qui, à mon avis, n'est pas très souhaitable. Ouais. Non, mais dans l'illégalité, là, c'est quand même ce lieu de naissance. Oui. L'adoption plénière aujourd'hui en France, la loi interdit le changement de lieu de naissance. Mmh. Je suis la seule dans la famille à être née en Creuse. Donc il y a un mensonge administratif sur le papier. Énorme. Et donc pour l'identité, pour s'y retrouver, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mmh. Bon, ce que je dirais comme autre leçon, et ça c'est plutôt pour l'adoption comme elle se passe aujourd'hui, l'idéal serait que les parents adoptants laissent une place à l'histoire de l'enfant, à ses origines, à son pays, à sa culture et aux parents biologiques. Il y a une place, même si elle n'est pas dite, elle n'est pas racontée, ce n'est pas forcément l'histoire de tous les jours, mais c'est juste, on sait que ça a existé, on n'est pas dans le déni. Et moi, ce que je dis aux parents, c'est que l'adoption se passera d'autant mieux, vos enfants adoptés auront d'autant moins envie, absolument à tout prix, de partir ailleurs, si vous laissez une petite place à ces parents-là. Ne pas occulter, ne pas créer de mystère, finalement, qui va devenir très très présent, du coup. Alors merci à toutes les trois. Je voudrais vous m'avez présenté quelqu'un très important pour vous. Je voudrais à mon tour vous présenter des gens qui sont importants pour moi. Ce sont des amis dénicheurs. Ils passent leur temps à s'intéresser à cette société dont on nous dit qu'elle ne va pas toujours très bien. Et ils sont comme vous, ils n'acceptent pas la fatalité. Et donc ils sont convaincus qu'il y a des idées qui marchent ici ou là. Et tout ce qui crée du lien, toutes ces actions de solidarité, notamment dans ce domaine qui vous touche particulièrement, eh bien ça les intéresse. Ils viennent nous en parler. Vous allez me dire si vous comprenez. Pourquoi je les adore, pourquoi ils me mettent de bonne humeur. Okay. D'accord. Et d'ailleurs, je les vois arriver. Salut les camarades. Bonjour. Louis. Bonjour. Céline. Bonjour. Bonjour. Luc. Bonjour. Céline. Brigitte. Bonjour. Merci les camarades. Alors, je présente Luc. Luc de Toulouse. J'aime bien te présenter comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Dès que je te vois arriver, c'est l'accent, c'est le soleil. Et tu t'intéresses à ce qui crée du lien dans cette société. Et notamment les campagnes. Et l'exode rural, parce que le prétexte officiel, c'était quand même ça, c'était de lutter contre l'exode rural. Mais enfin, il y a des moyens un peu plus sains de le faire. Ah oui, bien heureusement, aujourd'hui en France, les politiques de repeuplement de nos campagnes sont bien différentes que celles que vous avez pu connaître à l'époque. Heureusement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, Luc, merci d'être... Voilà, salut. Non. Et avec Céline et Brigitte, aujourd'hui, on va vous parler de villages qui se battent de manière originale et responsable pour lutter contre l'exode rural. Et quant à moi, je vous amènerai en Dordogne, à Saint-Pierre-de-Frugy, un petit village où il y a encore 10 ans, il n'y avait plus personne, enfin où il n'y avait pas grand monde. Et aujourd'hui, les gens se battent par dizaines pour vouloir y habiter. On parle tout à l'heure. Magnifique, ça donne envie ou pas? Ah bon, ah oui. Super. Brigitte, que du Sud-Ouest. Et oui, je vais vous parler aussi du Sud-Ouest. Moi, du maire d'un petit village du Béarn, qui, voyant que son village se dépeuplait, a décidé d'en faire une principauté. Comme Monaco. Et oui. Ça se décrète, ça. Et c'est un Béarnais, ils sont capables de tout, les Béarnais, d'accord, je vous le dis. Alors, et derrière ce projet qui paraît un peu farfelu, loufoque, eh bien, il y a une vraie idée. C'est celle d'attirer les touristes et de défendre les petites communes. Alors, ce sujet me tient particulièrement à cœur, hein, parce que ce village est situé à 45 km de la vallée de mon grand-père, qui s'appelle la vallée d'Aspe, et mon nom de jeune fille, c'est Aspe. Voilà. Comment ça raconte, voilà. Magnifique. Donc, Toulouse, le Sud-Ouest, oui. Et nous partons en Alsace avec notre jardinière, donc, Céline. Et il se passe quelque chose de très très particulier là-bas, en fait. Quelque chose qui pourrait être un exemple pour le reste du pays. Pour le reste du pays, voire du monde. C'est une expérience unique au monde qui a réussi. Donc, je suis doublement fière parce que je suis alsacienne et l'expérience a lieu dans une ville qui se trouve pas très loin de là où je suis née. Et cette ville-là a réussi à mettre en place 21 actions pour le 21e siècle. En 2009, le maire, un peu farfelu aussi, se dit... On n'a plus les mines de potasse, c'est un territoire qui ne va pas très bien, il y a des grandes friches industrielles, on a des champs de céréales autour du village, la ville, c'est une ville habituelle, hein, une école, une piscine. Combien d'habitants ? 2100 habitants, d'accord. Donc pas une très grande ville. Mm-hmm. Et il se dit, on va mettre en place
des actions pour aller vers un monde plus propre, pour manger mieux, pour construire, pour mieux vivre ensemble. Et ça a marché. D'ailleurs, tout ce dont le monde a besoin, ils décident d'en faire une sorte de concentré. C'est ça. En se disant, si ça marche, on deviendra un modèle pour le reste de l'humanité. Exactement. Ils l'ont fait sans bruit. Personne n'en a trop entendu parler. Mais ça y est, enfin, on sait qu'ils ont réussi. Il y a d'ailleurs un film qui est sur les écrans depuis très peu de temps. C'est Marie-Agnès Robin qui a tourné toute l'année 2015 chez eux. Et je vous propose de regarder la bande-annonce. C'est quoi le titre du film ? Ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» Qu'est-ce qu'on attend ? Oh, regarde. Bonjour. Bienvenue en Mersheim. Notre village est en transition. Transition. La transition, ça a été la concrétisation de 21 actions. Qui se déclinent sur trois chapitres essentiels, l'autonomie intellectuelle, énergétique et la souveraineté alimentaire. Jardin du trèfle rouge. Le premier objectif, c'est d'inciter les gens à réfléchir et de les rendre conscients qu'il n'y a pas que la fatalité. Et dès qu'on rentre dans cette démarche, eh bien, les solutions, on en trouve. Avant, je ne m'intéressais pas du tout à cette question de la transition, je n'avais même pas entendu parler. J'étais un peu comme le monde aujourd'hui, individualiste, retranché sur moi-même. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être acteur du changement. Action. On n'est pas du tout en train d'essayer de montrer aux gens que c'était mieux avant. C'est pas les écolos avec leur maison en paille et blablabla. On est écolos, c'est de la paille, mais on est high-tech. C'est de la paille high-tech. Que pour transformer la société, il faut d'abord se transformer et le montrer. L'exemple, ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Incroyable. Je me souviens que quand tout ça a commencé, personne n'y a cru. Moi non plus, j'y ai pas cru. You may feel like you are slightly crazy, but you are the cutting edge. Moi, je dirais que Mersheim, c'est vraiment un laboratoire. En train de chercher, en train de montrer, de démontrer qu'on peut faire autrement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend ? Ça donne envie. Qu'est-ce qu'on attend ? Ah, tout à fait, c'est la vie, quoi, là. C'est beau. C'est voilà, c'est... On a envie d'adhérer, quoi. Et vous savez qu'il y a un mot qui correspond à votre histoire, c'est qu'il n'accepte pas la fatalité. La fatalité, ça c'est important. J'ai tout de suite envie de dire qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. C'est ça que ça sous-entend, j'imagine. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut observer la situation et l'observer longtemps, et puis il y en a qui décident d'agir, et qui décident de devenir des modèles. Et moi, ce que j'aime, c'est que personne n'y croit au départ. Moi, je me suis dit, bravo les nouveaux citoyens. Je trouve qu'il y a une implication... De l'individu dans la société qui change là. Tout d'un coup, les politiques ne sont pas mises de côté, hein, mais peut-être prennent plus tout à fait la même place. Ouais. Et je trouve ça vraiment intéressant que, notamment l'écologie, ait pu faire que les gens reprennent un peu leur vie en main, se disent tout d'un coup, mais nous aussi, on en est, quoi. On n'est pas à côté. Ça, je trouve ça une expérience. On sent un sentiment d'appartenance très, très fort. D'abord, pourquoi tu as perdu cet accent ? Je ne fallais pas comprendre. J'ai eu beaucoup l'accent, mais bon, j'ai perdu la vie ici. Ça fait bientôt autant de temps que je suis. Je te laisse continuer ta séquence avec l'accent. Vous faites plaisir. C'est ça. Je sais. T'arrives même plus. Et donc, quand on dit ça marche, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Alors concrètement, ça veut dire déjà sur le principe de l'économie d'énergie. La centrale photovoltaïque que vous avez, c'est la plus grande d'Alsace. Mmh. Elle alimente 10 000 personnes en électricité. Mmh. Les bâtiments de la ville... L'énergie solaire. Énergie solaire, complètement. Les bâtiments de la ville sont également équipés en énergie solaire. La piscine, par exemple, elle marche grâce aux panneaux solaires. Il n'y a pas de soleil chez toi, là-bas. Mais ça, je vais t'y emmener. C'est ça. Et puis, non, mais c'est vrai que. La provoque, elle aime bien. Il n'y a pas énormément de soleil, c'est vrai. Et pourtant, ça marche quand même. Ça marche quand même parce qu'il y a le bois de chauffage. Après, on passe juste après au charbon, enfin au bois, pardon, pas au charbon, justement. Au bois. Et surtout pas, malheureusement. Justement, surtout pas. Et le bois, c'est pourquoi les lagages. C'est important de dire pourquoi. Bah, parce qu'on a arrêté toutes les grandes mines, on ne creuse plus pour trouver du charbon. Puis de toute façon, les énergies fossiles, on sait qu'on est arrivé au bout. Le pétrole, le charbon, c'est polluant, mais en plus... Alors que les forêts, ça se renouvelle, on peut les planter. Exactement. Donc on élague les arbres dans les petites forêts autour, dans la forêt communale, et puis on le brûle, et c'est ce qui prend le relais en hiver quand il fait très très froid en Alsace. Et à côté de ça, vous avez vu aussi Richelieu. Le non, petit... j'ai pas vu Richelieu. Oh, bah Richelieu, c'est alors, pas le cardinal. C'est le petit cheval. Le petit cheval de trait, le hongre, qui était accompagné
accompagnée par COSAC. Vous imaginez quand même aller à l'école tous les jours en calèche, parce que c'est le service de ramassage scolaire. Pas mal. C'est également... C'est anecdotique et sympathique. On marquait ça met de bonne humeur pour aller à l'école. Ah, c'est exactement ça. Puis c'est 4600 km d'économiser en voiture sur l'année. Et puis, bon, alors forcément, il y a des râleurs derrière, hein, quand ils se retrouvent derrière le ramassage du matin, il faut pouvoir doubler, les routes sont pas forcément... Voilà. Mais on apprend, puis on regarde, et puis on va voir les chevaux. Et puis c'est aussi des chevaux qui aident dans les travaux des champs, qui aident à planter, qui aident à récolter, qui ramassent les déchets verts. Donc voilà pour l'aspect vraiment énergie, un petit peu. Après, on a l'aspect alimentaire. Ils disent souveraineté alimentaire. Exactement, autonomie alimentaire. Oui. Bah, il s'est déjà rendu compte que quand il regardait autour du village, il y avait des hectares et des hectares de champs, de céréales, de maïs, et rien qui servait à nourrir la population de son village. Je dis village parce qu'en fait, moi, je viens d'un tout petit village à côté, donc forcément, pour moi, il y a presque une petite village. Voilà, c'est ça. Donc là, il s'est dit, OK, on va racheter un grand céréalier, ces hectares. Il a racheté 700 hectares avec la commune et ils ont créé une ferme, une coopérative, une cidrerie, une malterie, une conserverie et ils embauchent 30 personnes en réinsertion. Ils font tous les repas de la cantine, ils font des repas pour les villes avoisinantes, ils font 200 paniers pour les habitants. Donc ça y est, ils sont quasi à l'autonomie alimentaire. Un circuit court, local. Oui. Exactement. Et il y a d'ailleurs des petites histoires très très jolies. Je vous propose de regarder juste un tout petit témoignage. Oui, on a envie d'en avoir plus. Les jardins du trèfle rouge sont un des piliers de la filière de la graine à l'assiette qui propose toutes les semaines des paniers de légumes bio aux gens du village et des repas bio à la cantine. T'as vu, regarde, il nous reste quoi ? 50 mètres ? C'est bien. Céline Carlotti, je suis en contrat d'insertion au Trèfle Rouge. Je suis venue travailler ici parce que j'adore travailler dans la terre et apprendre, savoir reconnaître tout ce qui est les légumes, toutes les variétés qui existent et savoir comment les cultiver. C'est vrai que c'est un plaisir de venir tous les matins au champ et de savoir qu'on refait toujours autre chose. Voilà. Et après, on se met tous sur la même planche et on termine là. Pour rien au monde, je retournerais faire 2 heures de ménage. C'est vraiment dans la filière que je voulais faire. Je peux pas travailler avec les gants. Il faut que je sente la terre, il faut que je sente aussi la mauvaise herbe en même temps. Donc là, on entend quelque chose d'incroyable, parce qu'on sait juste dans l'histoire de l'humanité qu'on est 51% à vivre dans les villes. C'est la première fois qu'on est devenu majoritaire. Basculé, ouais. Et donc, du coup, on s'éloigne du réel, du concret. Les consciences, on a l'impression qu'au fond, là-bas, tout le monde est conscient des fléaux et des solutions. Oui. Il a fallu convaincre, j'imagine. Il a fallu convaincre, forcément. Et concrètement, il y a encore qu'entre 50 et 80 personnes qui participent quotidiennement à toutes ces réflexions et à la mise en place de ces solutions. Ce n'est pas beaucoup. On espère qu'il va y en avoir beaucoup plus. Mais c'est aussi toutes ces jolies histoires, parce qu'on a ces 30 personnes en insertion, mais c'est sans emploi pour l'ensemble de la ville qui ont été créées grâce à ces 21 actions. Ces 10 personnes en réinsertion pour la cantine, c'est Ayat et Sébastien qui étaient en réinsertion, qui se sont rencontrés là dans les potagers, qui vont avoir un bébé, qui s'installent dans une petite maison. Donc c'est vraiment que des petits succès, des aventures humaines réussies, mises bout à bout, qui font qu'on y arrive. Et puis ça commence dès le plus jeune âge, parce que les enfants sont intéressés à la démocratie. On leur demande de réfléchir, on leur demande par exemple de compter combien on pourrait rajouter de panneaux photovoltaïques sur les toitures et combien de personnes pourraient tirer de l'électricité de ça. On leur demande quelles idées ils ont de ce qu'ils doivent manger. Ils sont à la cantine, on le voit, ils mangent bio, ils vont dans les champs, ils vont voir les chevaux, enfin, ils sont en calèche le matin. Donc l'éducation commence là, et le maire est maire depuis 26 ans dans cette commune. Donc c'est vraiment
pas pour rien qu'ils ont réussi à faire ensemble cette boîte à outils formidable qui peut servir à tous les villages, parce qu'on n'est pas obligé de mettre ces 21 actions. Et ils ont la sensation aujourd'hui, effectivement, qu'au fond, puisqu'ils l'ont fait, personne n'y croyait, ils étaient dingues. On entend quelqu'un parler anglais, en fait, qui vient finalement apporter un regard extérieur en leur disant vous êtes des pionniers. Ah, c'est des pionniers, parce que c'est Rob Hopkins, qui est le fondateur des villes en transition, qui est venu et qui a dit, mais ça y est, vous avez réussi. Personne n'en a entendu parler, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin. Tout seul, et quand on leur dit ça, ils rigolent, ils nous disent non, pas tout seul, tous ensemble. C'est une vraie aventure, on a envie. C'est ça qui doit être chouette. C'est qu'ensemble, on se dit, allez, on construit notre village. On se rassemble. Et apprendre la solidarité. Hein. C'est ça. Ça envie, en tout. C'est important, oui. Valérie, mot de la fin sur cette initiative, sur ces mouvements de population, sur ces gens qui n'acceptent pas la fatalité. Ben là, je vois que ce projet sur le plan humain, environnemental et économique, c'est merveilleux. Et il ne faut pas accepter la fatalité parce qu'en fin de compte, pour se construire, se reconstruire, pour avancer, il faut rester debout, il faut se battre, il faut y croire de toutes ses forces et de toute son âme. Vous savez de quoi vous parlez. Nous étions en Alsace avec quelqu'un qui avait l'air très très fier de ses origines. Et donc nous allons donc en Dordogne. Oui, alors bon, moi je suis de Haute-Garonne, hein, je ne suis pas de Dordogne, mais c'est pas très loin quand même. Donc, c'est quand ça t'arrange. Il est partout, Luc. C'est terrible. Je suis partout. Non, mais c'est vrai que Céline parlait, elle a utilisé un mot qui m'a beaucoup plu, elle a parlé de boîte à outils. C'est-à-dire cet exemple-là peut faire des petits. Hein, ça pourrait être pas mal de s'en servir. Alors, moi, je vous amène à Saint-Pierre de Frugy. Très beau petit village. En Dordogne, voilà, c'est joli. Et ce village, en fait, en 2007, il se mourrait complètement. D'accord ? Les anciens... Complètement ou complètement ? Complètement. Les anciens disparaissaient, un à un. Les jeunes partaient. L'école venait de fermer. Donc, déjà, il n'y avait pas d'école. Le seul commerce qui était le café, il venait de fermer aussi. D'accord. Et le nouveau maire se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et alors, là, il restait combien d'habitants au moment où il s'est dit ça ? Il restait un peu moins de 400 habitants. Et là, le nouveau maire se dit, il faut faire quelque chose, il faut. Il a fait un choix radical. Il a dit, je me lance, un petit peu comme Angersen, dans le bio. Je me lance dans le bio. Il discute, il convainc, ça n'a pas été facile, les agriculteurs locaux, à passer au bio. Vous allez voir, vous allez y gagner. Au bout de quelques années, il arrive à les convaincre tous les agriculteurs du coin passent en bio. En 2010, il organise, un truc qui va te plaire aussi, des jardins partagés. En plein centre du petit village, c'est un petit bourg, je vous les montre, ils sont magnifiques. Voilà, il y a des jardins comme ça, voilà, où chacun peut venir pour travailler la terre. Alors, on voit les enfants, hein, d'accord ? Mais chacun plante ses fruits et ses légumes. Troisième axe. On est dans le parc naturel régional de Périgord-Limousin. Et là, c'est très bel environnement. Il fait baliser des sentiers de randonnée. Qui dit sentier de randonnée, dit randonneur. Qui dit randonneur, dit gîte rural pour y dormir. Alors, il transforme son école qui avait fermé en gîte rural avec 18 lits. Les randonneurs viennent. Qui dit randonneur qui dort, dit randonneur qui mange. Il fait réouvrir le café qui avait fermé. Un entrepreneur vient exprès, qui venait d'ailleurs, de loin. Il dit, mais le projet est fantastique, je réouvre un resto. Et donc, il fait à manger, toujours en bio, aux promeneurs qui viennent. Le projet prend de l'ampleur. De plus en plus de gens veulent venir s'y installer dans cette commune. Alors, le problème, c'était l'école. Et l'école, le rectorat ne voulait toujours pas ouvrir. Les gens arrivent. Aujourd'hui, ils ont décidé, tant pis, on fera sans le rectorat. Ils montent une école alternative avec des enseignements alternatifs. Je vous montre une petite photo. Ah, ça, c'est l'épicerie. Ah oui, je ne veux pas parler d'épicerie. Donc là aussi, ils n'acceptent pas le blocage administratif. Ils n'acceptent pas, voilà. Et maintenant, les effectifs des élèves ont doublé. Ils ont 20 élèves maintenant, donc ils ont une classe complète. D'accord ? Ils ouvrent aussi une épicerie bio où chacun des agriculteurs peuvent venir vendre eux-mêmes leurs propres produits bio. D'accord ? Donc, c'est un circuit qui marche très bien. Aujourd'hui, si vous venez à Saint-Pierre-de-Frugy, vous ne trouvez plus de maison. Tous les jours, il y a des appels en mairie. Il faut dire, je veux un terrain, je veux un truc. Il n'y a plus de place. Donc, ils sont passés. Un endroit où personne ne voulait être. Aujourd'hui, tout le monde. Aujourd'hui, ils sont plus de 450. Mais il n'y a plus de place. On ne peut plus y aller. Venez-y en touriste, vous y baladez. Mais en tout cas,
ça marche. Et donc, ça peut inspirer les autres. Avec le courage et la volonté, on peut arriver à beaucoup de choses. Et passer au-delà des barrières administratives. Mmh. Vous connaissez bien l'administration. N'est-ce pas? Et je vous ai vu réagir également quand il parlait de l'école. On ne peut pas ouvrir d'école, le rectorat ne veut pas. Ils le font quand même. J'ai vu que ça vous faisait réagir. Oui, parce que d'abord, je trouve ça très intéressant de mettre des écoles alternatives comme ça. Pourquoi, l'autre chose, c'est parce que c'est souvent, pour un certain nombre d'enfants, c'est souvent plus adapté, des rythmes qui sont souvent plus adaptés aux enfants, surtout les plus petits. Donc, je trouve ça plutôt formidable. Après, ce n'est pas tout à fait des blocages administratifs au sens où l'administration ne bloque pas, mais il leur faut un certain nombre d'enfants, effectivement, pour ouvrir une classe, pour des raisons de budgétaire aussi. Et là, je me disais, à la fin de votre histoire, je me disais, pour vous qu'il n'y ait pas un promoteur qui, au prix du mètre carré, rachète une maison et nous fasse la ville à la campagne. Je vais simplement dire que dans les villages, il y a des écoles uniques depuis... Des classes uniques à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai été en classe unique, on était toute la primaire ensemble, donc forcément... Et quel souvenir tu en as? Ah, mais j'ai adoré. Déjà, à l'Institut, il y avait plein de moments où ils ne s'occupaient pas de nous. Donc, j'ai eu des récréations extrêmement longues. et tu entendais ce qui se passait dans la classe? On entendait, on allait à notre rythme, on aidait les autres. Ouais. Il y avait ce système, forcément, du CE1 au CM2, on était ensemble. Et toute la maternelle, on était ensemble. Il y a même des écoles où c'est de la première section de maternelle jusqu'au CM2. C'est vrai que j'ai vécu un tout petit peu, moi, aux trois villages. C'était en Corrèze, à côté de chez ma grand-mère à Lassac. Et c'est vrai que j'ai un très, très bon souvenir de cette période de la classe unique, effectivement. Parce que moi, l'instituteur était en plus secrétaire de mairie. Et oui, donc il avait du boulot. Et c'est le cas à Saint-Pierre-de-Frugis. En tout cas, un grand bravo à Gilbert Chapeau. Ouais, on applaudit. Le maire de Saint-Pierre-de-Frugis. On ne peut pas applaudir avec une seule main. Super. On a envie d'habiter en Alsace, en Dordogne. Est-ce qu'on aura envie d'habiter dans... Bien sûr. Alors, il y avait la principauté d'Andorre, que tout le monde connaît. Ah bah oui. La principauté de Monaco. Et maintenant, il y a la principauté de Lass en Béarn. Qui est la princesse là-bas? Qui est la princesse? Ça doit être la femme de... Oui, peut-être moi, parce qu'il m'a invitée. Mais... On ne sait jamais. Alors voilà, Lass en Béarn, qui est quand même magnifique. Ça fait envie. Très, très beau. 135 habitants. 135 habitants, donc encore plus petit. Oui. Ah oui. C'est de 2000 à 450. Et là, c'est... Qui avait quand même 700 habitants au début du siècle dernier. Donc, 135. On appelle l'exode rural. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ce monsieur maire, qui s'appelle Jacques Pédonta, le voilà Jacques, il a une bonne tête. C'est tout bien sympa. Si t'es sa princesse, tu vas être ton prince. Bah oui, on a bien sympathisé au téléphone. Et donc, du coup, il a l'idée que ce village va s'appeler une principauté. Oui. Alors, ça ressemble à une blagounette. Eh bien, c'est pas une blagounette, pas du tout. Parce qu'il s'est dit, que faire pour sauver mon village de cette désertification? Et il s'est dit, il faut trouver une solution. Et il a pensé à une exploitation agricole d'Australie qui s'appelle Hutt River, dans laquelle, en 1971, cette exploitation a décidé de devenir une principauté. Et depuis, en Australie. En Australie. Et depuis 1971, il y a des milliers de gens qui viennent tous les ans. Pour la visiter. Pour la visiter et surtout pour acheter des petits souvenirs, de la monnaie, des timbres, enfin tout ce qui peut se faire. Alors il s'est dit, pourquoi pas chez nous? Il faut que je signale quand même qu'il a été élu maire en 83 à 24 ans et qu'il est toujours maire, ça fait 36 ans, il a été réélu sans arrêt. Donc c'est qu'il doit valoir un peu la peine quand même. Et il se dit, je vais doper le tourisme au fond en faisant ça. Exactement. De ce village de 125 habitants. 135. Alors, en 2011, il y a eu une loi sur la réforme territoriale. Et là, il s'est dit, les villages vont disparaître parce qu'on les assimile les uns aux autres. Enfin bon, il ne voulait pas être rayé de la carte. Il a écrit à Nicolas Sarkozy, qui ne lui a pas répondu, pour lui exposer ce genre de problème. Et donc, en 2015, il s'est dit, allez hop, tant pis, je me lance. Et il s'est déclaré autoproclamé principauté de Lass. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Lass? Eh bien, je vais vous montrer quand même. J'ai d'abord une petite surprise pour toi, Frédéric. Tiens, regarde. J'ai un passeport. Est-ce qu'il y a des passeports? Regarde dedans, hein. Regarde dedans. Passion et audace. Ah mais oui, c'est tout. Mais il est valable, qu'est-ce que tu crois? Et donc, je suis citoyen
de cet endroit. C'est magnifique. Tu es citoyen de l'As maintenant, toi. Voilà. Tu... Ça me touche. Pourquoi ça me touche comme ça? Il faudrait que je pose la question. Sensible. Ça doit venir de là. Ça doit venir de là. Non, mais l'idée de ta maison. Donc c'est le passeport. Il y a quoi d'autre? Alors il y a des, il a fait un drapeau. Alors attendez, je vous mets blason. Le drapeau. Ah très beau. Voici beauté de l'As. Un blason. Ah oui, regardez-moi ce petit blason, quand même. Moi, ce que j'aime, c'est les vaches, quand même. C'est une région de Taurine. Il y a tout là-bas. Qu'est-ce qu'on fait à la Principauté de l'As? Alors, attends, je vais t'expliquer. Il y a des ambassadeurs dans le monde entier. Il y en a en Uruguay, ils en ont 15 pour le moment. En Uruguay, des ambassadeurs partout. En Australie, du travail. À Paris, à Singapour même. Parce que les touristes qui viennent, eh bien, ils sont désignés pour être ambassadeurs. Ils ont intérêt à... Donc ils promeuvent le village, quoi. Voilà. Donc est-ce qu'on peut mesurer les conséquences? Parce que, évidemment, il a fait. Ah oui, alors il a fait un poste de douane. Il va jusqu'au bout. Et il y a un poste de douane, quand vous arrivez, vous êtes arrêté par les douaniers. Ils sont gentils, hein, ils vous. C'est juste pour plaisanter, mais c'est pour marquer son territoire. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Alors, il a fait des. Ah, il est au centre du monde. Il est au centre du monde. Un peu comme Salvador Dali. Voilà, avec la gare de Perpignan. Donc, toutes les villes, la distance de Mani, de Katmandou, de cette principauté. Ah oui. Alors, il met en avant les artisans locaux. Mm-hmm. Alors, comme par exemple, les fabricants de bérets, à l'As, il y a le dernier fabricant artisanal de bérets. Ah, oui. Parce que le béret. Béret basque, de béret. Le béret et béarnais, une erreur. Je pourrais te raconter, mais c'est trop long. D'accord. Et donc voilà, et donc ce petit béret, il vient de l'As. Il mesure les conséquences déjà de ça, parce que bon, ça fait sourire, donc c'est l'essentiel. Oui, mais il a eu d'autres idées aussi, ces petites idées-là. Il est très créatif, en tout cas. Ah ben, il est créatif. Il a créé un festival qui s'appelle Transhumance Estival, dans lequel il y a des chanteurs comme Manu Chao, qui est venu, Les Insus, vous savez qui sont Les Insus, hein? Oui, c'est téléphone. Voilà. Le groupe Téléphone qui s'est reconstitué. Téléphone qui est venu là. Mais oui, dernièrement, il n'y a pas longtemps. Et plus de 8000 personnes. Il a remis en route les 3 heures de la brouette. Ah oui. Les fameuses 3 heures. Voilà. Il y a les 24 heures du Mans. Voilà. Et les 3 heures de la brouette. Eh bien oui, c'est le Père Noël d'ailleurs. Une course d'endurance, hein, quand même. À brouette. C'est sympa comme tout. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oui, donc ça draine du monde, ça fait venir les touristes. Voilà. Quand on voit cette auto, on voit pas quelque chose de, on voit pas de la désertification là pour le coup. Ah, non, oui. Donc il attire l'attention, il provoque le sourire, ça c'est clair. Exactement. Et la sympathie. Et ce qu'il a fait aussi, il a quand même quand il a su, pour vous dire comme il est quand même créatif, comme tu as dit, quand Brigitte Bardot avait dit qu'elle quittait Saint-Tropez, il lui a proposé de venir s'installer. Et alors, le politique. Elle n'est pas venue, mais tous les ans, elle lui envoie un petit mot pour son anniversaire. Elle a trouvé ça trop sympa. Donc alors, il est malin, il ose, il sort du cadre. Encore une fois, la désertification, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Je voudrais rendre hommage à Martine Moléon, qui est décédée et qui faisait ça sur Canal+, il y a une vingtaine d'années. J'étais fasciné par cette idée qu'effectivement, les campagnes se vidaient, alors qu'on sait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, on a des scientifiques qui nous le disent tous les jours, qu'en fait, pour un être humain, vivre dans la nature, c'est beaucoup mieux que dans la ville, et les campagnes se vident. Et donc, de voir un être humain qui lutte contre ça, qui a des idées, ça est épatant. Ah, oser comme ça, mais c'est merveilleux, hein, parce que ce projet a l'air tellement farfelu. Bravo, il faut oser. Nous, on ose aussi. Il faut aller jusqu'au bout. Et voilà. on va aller visiter. Hein. Ah, on va visiter ma commune, ma principauté. Ah, bah, oui. Mais justement, lui, ce qu'il veut faire, il a quand même eu un dernier culot. Il a quand même appelé Albert de Monaco. Il va avoir un rendez-vous avec lui pour pousser son projet. Et comme on se moquait de lui, mais ça fonctionne parce que tout bouge quand même. Et les gens se rendent compte que tout ce qu'il fait, finalement, ça marche. Donc, moi, je voulais lui souhaiter d'attirer plein de touristes. Et puis, je pense que je vais y aller faire un petit tour. Oui, et je lui tire mon béret. Je le salue. Et on ira. S'il peut nous accueillir pour un petit séminaire, on y va. Il nous invite et tout. C'est plus facile pour vous parce que vous avez déjà le passeport. Mais moi, j'ai le passeport. Et on va faire la fête aussi là-bas. Parce que ça rigole d'être dans ça donne très très envie. En tout cas, moi, je le félicite sincèrement. Bravo. Voilà. Bravo. Bon, merci Brigitte. Et on salue cet homme et tous ceux qui, dans ce pays, encore une fois, n'acceptent pas la fatalité et observent les phénomènes de société et tous les fléaux dont on nous parle et trouvent des solutions
qui marche. Merci les camarades. Merci. Merci beaucoup docteur pour toutes ces informations sur l'adoption, ce qu'il faut dire aux enfants, ce qu'on sait aujourd'hui. Merci Hélène d'être venue témoigner et puis merci sincèrement Valérie pour votre... Vous avez une douceur, vous êtes quelqu'un de très lumineux, vous avez parlé d'une page sombre de l'histoire de France. Oui. Mais avec beaucoup de lumière en tout cas. Voilà, vous êtes une résiliente et ça fait plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Merci à vous. Et comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez touché par le témoignage de Christine Delocq, un récit coup de poing, symbole d'une maladie de plus en plus répandue, le burn-out. En s'abandonnant corps et âme à son travail, Christine a failli tout perdre. C'est en cherchant au fond d'elle-même qu'elle a enfin trouvé la clé de sa renaissance. Ça avait commencé avec cette responsable qui, même quand il y avait des succès, des progrès, etc., c'était toujours « oui, mais ». J'accumulais des manques de sommeil, des maux d'estomac et puis très très souvent des maux de tête. Et c'est à ce moment-là qu'on évoque le mot de « burn-out », mais qu'on peut en faire quelque chose. Voilà.